Et salut YouTube, on est parti pour, pour le deuxième run de Afterbirth. Je rigole parce que je viens de faire une coupure. Et on est parti, sans reset hein. On joue sans reset. Enfin des resets par la suite, on peut connaître un peu plus d'items. Parce que de toute façon, reset pour reset, si on sait pas ce que les items vont nous donner, ça sert à rien. Autant piffer. Une clé, un rocher marqué. Ok. On n'a pas la gold. Il faudrait une petite bombe, ça ferait plaisir d'avoir un petit cœur bleu. Hein? Comme ça. Ok, merci. Ça a l'air violent, je sais pas ce que c'est. Masse poison. Non, ça a pas l'air violent en fait. Une deuxième bombe, ça c'est cool. Non, ça on pourra pas utiliser. À part la faisant exploser, je sais pas si c'est rentable. Ah, Diva s'est fait nerf du coup sur Overwatch. Qu'est-ce qu'elle a de moins? Sûrement sur la matrice j'imagine. Bon, on va prendre le rocher marqué hein. Ok, on gagne une clé dans l'histoire, c'est pas ouf. J'attendais plutôt un cœur bleu. Oh, ça a l'air violent en fait. Ça empoisonne tout le monde dans la salle, j'ai l'impression. Quand je rentre dans une salle, il y a tout qui devient vert et il perd de la vie. J'ai l'impression qu'il s'est passé ça. Oh, si c'est ça dans toutes les salles, je vais pouvoir les clean rapidement. Enfin, je sais pas si les dégâts sont gros, ça a pas l'air. Je pensais que ça allait rester pendant toute la salle. On peut rêver. Bah, j'atteindrai jamais. Une petite zizou. Vous savez que tu les mouches pour mieux le toucher après, mais c'est la merde. HP up, range tir up, ok, rien à voir. Par contre on a les cœurs qu'on voulait, ça c'est bien. Oh mais oui j'aime bien ça. J'aurais plus de pièces dans les caca. Ça, est-ce que je le fais? On va jouer safe, hein. On va pas jouer les rooms qui font perdre la vie. Même si ça peut être un super item dedans. On va jouer safe. C'est pas la matrice, c'est l'armure du Diva. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué l'armure? ?100% de Devil Deal. Ouais, c'est ça, quand je rentre dans une salle, il y a tout qui est empoisonné. Ça va être utile à mon avis. Hein. Pour le clean, pour les boss, beaucoup moins par contre. Mon petit à mon ami, ça reste pas si longtemps. On va dire c'est pas trop dégueu, mais c'est pas génial non plus. Ouais, ça les endommage vraiment beaucoup. Ça on l'a eu juste avant, je crois. Trail of Tiger. Oh, c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai pas envie de vous mentir les amis, c'est pas un super run hein, pour le moment. On a de nouveau des bad kills, mais on a pas d'item. J'ai marqué toujours pas non plus. Bien sûr, la salle jaune sera au dernier endroit. Ah mais non, on l'a déjà prise. Vraiment,
Vraiment. J'ai pas envie de piffer. J'ai pas envie de piffer. Pas assez bon. Ah, c'est en bas. J'ai pas assez de pièces pour le magasin. Oula, 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 oula. Lui, j'ai jamais vu par contre. Ah, si, c'est Gemini, mais en mode laser. Je sens que quand il va être vénère, il va sûrement me mettre des... Ah, même pas. Cool. C'est quoi ça? Speed damage up. Cool. Devil deal. Alors ça, on l'avait déjà pris tout à l'heure. Je sais toujours pas ce que ça fait. Ah si, c'était le vol. Non, le vol, c'était pas ça. C'était avec le... Je sais plus ce que c'est ça. Devil up. Une chance d'avoir des cœurs noirs. Peut-être. Ouais. C'est pas dingue. Hein. Ok. Next. Diva et Santé Diva augmentent de 200 à 400. Son armure diminue de 400. Ah oui, d'accord, ils ont augmenté la santé et ils ont diminué l'armure. Ok. Ils ont fait un petit peu comme il y avait sur. Sur qui encore? Un perso qui est plus ou moins similaire. Avec de l'armure, je sais même plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué non plus à Overwatch. Dégâts de zone, on les sent quand même. Ça permet vraiment de clean assez vite. C'est de la merde. Ça, je sais pas, j'en ai jamais pris. À mon avis, ça fait des dégâts pour l'ouvrir. Dès que les gens les catch, je peux le tenter après. Ça explose, non? Ça, ça explose. Oula, ah merde, c'est vrai que j'ai pas le vol. Oh, fallait faire une grosse bêtise. Ok, on va essayer de faire péter si possible près du champignon. Ah, mais j'ai pas le vol. Pourquoi j'insiste? Oh, ça fait des projectiles, mais comme par hasard. Comme de par hasard. Ça, j'ai déjà vu. Soit ça me reste, soit c'est Holy Mantle. Holy Shield. Ok, donc là je peux prendre un dégât par salle. C'est bien. Ah, du coup je peux prendre ça, gratos. Si je prends pas de dégâts. Voilà. Ça valait pas le coup. J'ai de nouveau le Holy Mantle, du coup je peux aller dans un sacrificiel room. Je pense. Hop. À moins qu'il faille vraiment payer les PV. Dans ce cas je peux en abuser, non? Enfin, non, ça marche pas, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Est-ce qu'on a cassé le jeu? Non, ça marche pas. Bon, je croyais avoir cassé le jeu. Le Holy Metal va être très utile par contre. Notre jeu, qu'on va perdre beaucoup moins de PV, vu qu'on peut prendre un dégât par salle. Oh, ça a tout tué, quasi. Il y a moins qu'il nous carry la game. Ok. Ça détruit tellement tout. Tous les petits mobs. Justice. Justice, c'est un. C'est une machine, non? Accéder, il n'y a pas de rocher, il n'y a que dalle. Je vois qu'il y a deux plaques au centre, je sais pas à quoi elles servent. Peut-être le décor simplement. Ah, oh, ça va être tellement tout clean! Mais oui, mon gars! Et le Holy Mantle qui m'a absorbé le dégât. On est tellement bien! On est tellement bien! Il faut juste des bombes et des clés. On sera déjà beaucoup plus heureux. Donc, ce que je voulais faire, oui. Comme j'ai le Holy Mantle, je peux passer ici gratos. Hop.
giflé. Polymetal, je l'ai toujours, donc je ressors sans prendre de dégâts. Ah, y'a rien ici. Le shop avec cette clé, bah avec cette gold, je suis pas convaincu, mais on peut tenter. Ah, il est là l'item que je veux. Clé, on en a assez. On va juste prendre ça. J'avais dit que je voulais jouer safe. Il reste, ça va dans la machine. Couché, bonne nuit tout le monde. Bonne run night. Okidoki, il est pas en dessus. Bonne nuit à toi, merci de passer. La balle partie a été augmentée de 8 à 11. Donc elle fait moins de dégâts avec les balles et en tire plus. Oh merde, j'ai activé l'item sans vouloir. Bah de toute façon, c'est pas grave. C'est bien. C'est pas du tout ce que je pensais. On va mettre une pièce, une bombe. Non, une pièce simplement. Oh yes, une pilule directe. Ouais. Les balles parties, ça sert à rien. Boss. Silence. Ah, il fonce pas ? Il me semblait qu'il fonçait à lui. Là, il fonce sous cette forme là uniquement. Oh merde. Il fonce pas du tout en fait. On m'a menti. Polymental qui m'a absorbé le dégât. Ah, oh, il m'a absorbé 15 dégâts malheureusement. Faut pas déconner quand même. J'aurais pu tellement le faire en mode gratos. Chier quoi. Chier. C'est quoi ça ? Ah oui. Là je dis pas non. C'est tout hein. C'est tout. Yep, next. Grosse salle à gauche, on commence par en bas. Oh oui, le Limental. Oh oui. Yes, on a tout ça gratos. Les araignées vont toutes crever avec le poison. Non. Espèce. Manque juste le vol là, il y a un petit peu de dégâts. Oh c'est quoi ça? Oh c'est quoi ça? Je veux. Ça brille, c'est rouge. Je veux. Oh là là, mais il y a tellement d'items. Oh il me faut tellement le vol. Oh il me faut le vol là. Donnez-moi le vol. On va l'activer dans la salle d'à côté. Ouais, peut-être c'est Eggman, non. Non, rien à voir. Cette salle est tellement garantie, quoi. Il me la faut, il me la faut. Le Limental, heureusement. Hop. Ça faut que ça crève. Hein. Donc, ça passe pas trop de conneries. Ok. Ça, on va essayer de le faire exploser en bas. Il me semble qu'ici il doit y avoir un truc. On va essayer de le faire exploser par ici. On va être patient. Aïe. Il va faire ça en boucle, malheureusement. Ça va pas le faire. Ah ça va pas le faire. Ça prend trop de temps. I can see forever. Oh yeah. Ça a tué le deuxième boss en 2 secondes. It feels lucky. It feels lucky. Je préfère garder le poupe hein, pour les pièces. Pour le magasin. Peut-être pas bon. Le item, je le connais pas. Hop! C'est la run de l'invincibilité! Ça, c'est excellent comme item. Excellent. Ah, j'avais oublié qu'il y avait une machine ici, je l'avais pas vu. De toute façon, je m'en fous, je vous laisse l'item, il est bien. Là, on peut non seulement absorber un dégât, mais en plus, tout ce qui vient de face ne fait pas de dégâts. La batterie, il me la faut, non? Pièce secrète, double bombe. Hop. Ça fait cher tout ça. Ça fait très très cher hein. 4 clés. Wow.
là faut vraiment qu'il crève. C'est urgent. Oh là là, ça fait m'exploser la gueule. Ah mais j'ai pas le vol, j'ai tellement pas le vol. Merci lui Mental. Ok, là on peut jouer plus tranquille. Ça ne va plus réapparaître. Ça j'en veux pas du tout. C'est un truc qui fait des zigzags. La grande salle ici, je sais pas à quoi elle sert. Je pense pas qu'on va trouver grand chose ici. Bon, le Edifice Lucky n'est pas ouf hein. On pourrait quand même avoir beaucoup plus de pièces dans les poupes. C'est pas dingue. Pas mieux. Le shop. Ouais. Ouais, je m'en fous. Hop. En mode mass shield. S'il y avait eu une clé, j'aurais peut-être pris. Là, je prends pas de dégâts, donc je vais passer gratos, voir ce qu'il y a. Hop, y'a rien. C'est pour ça que j'aime pas trop ces salles. Du coup, on a tout fait. Il nous reste le boss. C'est parti. On croise les doigts pour avoir le vol dans un Devil Deal. Ça pourrait être cool. On pourrait ramasser tellement de choses. Oh, j'aime pas ce boss. C'est la deuxième fois que j'affronte, mais la première fois c'était déjà à faux. Oh que j'aime pas. Oh que j'aime pas. J'ai l'impression qu'il prend pas de dégâts. Et par moment il prend masse de dégâts. Je sais pas du tout c'est quoi ses propriétés à ce boss là. Oh merde. Oh merde. Oh merde, je me coince. Oh je me coince. Ah ok, quand il est pas en mode bandage, il prend masse de dégâts. Quand il est en mode bandage, il prend. Ouais, ça je prends, bien sûr. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est quoi? Wheel of Fortune. Pas pour maintenant. Ça, oui. Bad Trip, malheureusement. Ça, je sais pas ce que c'est. Creepy Bomb. Allez, donne-moi le vol. Par pitié, donne-moi le vol. Avoir 9 vies je crois. Mais on se retrouve à 1 cœur, donc je vais tout perdre. Et là c'est un truc qui est auto-aim. À moins que ça me redonne une... Non ça me redonne une... un cœur ou pas. Ah si je perds tous mes cœurs bleus et noirs je suis niqué hein. Qu'est-ce que ça fait ce truc encore? Parce qu'il y a un certain ordre, il me semble, à prendre le Guppy. Je crois qu'il faut d'abord prendre ça jusqu'à plus avoir de cœur, et puis on prend ça ou un truc dans le genre. Ou bien c'est ça, puis ça. Il faut prendre les deux, ouais, mais il me semble qu'il y a un certain ordre avec celui-là. Il me semble que celui-là il donne. Je perds tous les cœurs bleus et noirs. Ou je perds tous mes cœurs rouges et il m'en donne deux, et du coup je peux prendre l'autre. Je sais plus trop bien, il y a un truc à faire là-dessus. Bon, je vais piffer, hein, tant pis. J'ai peur pour celui-là. Je prends d'abord celui-là en fait. Mais du coup, je perds mon cœur blanc. Oh merde, je perds mon cœur blanc là. Je perds pas mon cœur blanc. Nickel. Puis le chat. Okay. Ah, il me redonne un cœur. Ok, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Donc, c'est le chat en deuxième toujours. Ce qui redonne et qui permet de. Ah, mais non, j'aurais dû prendre le chat en premier. J'aurais pris le chat en premier pour 1. Il me restait un cœur, j'aurais pris le collard pour 1. Ça, j'ai payé 3 cœurs bleus pour rien. Mauvaise idée en fait, hein. Mauvaise idée, c'était pas bon. Et du coup, j'ai pas le vol. Donc je suis niqué. La salle à côté, je pourrais jamais la récupérer.
Ça, sérieux? Ah, donne-moi au moins un maximum. Putain, je gaspille 4 bombes pour rien. Allez, on se casse. Y'a rien à faire ici. Et les bombes sont creepy. J'ai pas vu de différence. Je vais prendre ça. Un cure de plus, qui est nickel. Tout qui est mort au poison. Merci. Pas dégueu hein, le starter. Pas dingue mais pas dégueu. Oh oui. Ah mais oui, je génère des mouches maintenant. Je m'en rappelais pas de ça moi. Il semblait que c'était seulement Guppy's Head qui générait 4 mouches et quand t'avais le set complet ça générait chaque fois que tu tuais des mobs. Là j'ai l'impression que ça se génère déjà. Ça on va le faire. On a pas bénéficié du... On va le tuer avec la traînée d'eau. C'est plus simple d'aller derrière. On va pas se prendre la tête. Voilà. Tellement pas ces mobs, ça me rappelle tellement Zelda 64 là. C'est ces mains qui tombaient du du plafond dans le donjon de la forêt. Oh là là, ça m'a traumatisé. Ouais. 14, du coup on peut ouvrir le shop. Mais le problème c'est qu'on a plus que 2 clés. Est-ce que c'est vraiment rentable d'ouvrir le shop? A mon avis oui, on pourra trouver une clé à l'intérieur, on a 7 à 14 pièces. Ah, merci Ubi Mental, j'ai pris les dégâts. 9 bombes, on va pisser ici. Un petit cœur bleu, please. Toujours pas. Sur une run complète j'ai rien eu, à part Krampus, que j'ai fini par ne pas prendre. Ça me sert à rien, sérieux. Ah bah oui, j'ai le bandage, je peux les tuer comme ça. Tué par le poison. Je peux pas récupérer la carte. Là c'est peut-être laser, ok c'est laser, tué par le poison. Putain ça va trop vite hein. Le poison il clean la salle avant même que j'ai le temps de faire un pas. Pourquoi est-ce qu'il a une couronne sur lui? Oula, je déconne, j'ai perdu mon elemental. C'est quoi cette couronne? J'ai jamais vu ça. Ok, c'est un mob élite ou quoi? Merci. On va refresh l'Olimental parce que au milieu, Joker c'est pour avoir le Devil Deal. Une fortune. Ça on peut déjà activer de toute façon. Ça on prend. Hop. On change de salle, on récupère le Holy Mantle, on a le Holy Mantle, on passe au centre, on a le cœur bleu, on
on ressort de ça, Holy Mental, clé, on l'utilise ici, on prend une clé si on a, il n'y a pas de clé malheureusement, seul 50%, ça vaut le coup, bah 15, on le retrouve à poil après. Hein. Batterie ne sert à rien, pourquoi pas pour les prochaines salles. Pourquoi pas. Ok, ça valait le coup. On va mettre les 5 pièces là-dedans. On a Kane, hein. J'espère que ça va fonctionner. Je sais pas si la luck influence sur le les machines. Une clé, c'est cool. Du coup on peut la faire exploser. Hop. Une bombe de plus, on a le Holy Mental de nouveau, ouais. On peut passer sur les pics. Le boss c'est pour après, je crois que c'est Mom. La salle jaune, on l'a enfin. Hop. Oh là 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 là, je sais pas ce que c'est. Je crois que je vais payer pour avoir un autre item. Ah ça marche pas? Oula, j'aime pas du tout. Bon, on va prendre quand même, hein. Dirty Touch. Donc là... On va faire Mom, si on n'a pas le Devil Deal, on active le Joker, j'imagine que c'est ça qu'il faut faire. Garantir un Devil Deal, à mon avis c'est ça qu'il faut faire. On va essayer de faire rusher, péter les rochers par contre. Il peut se passer qu'il y a un truc. On sait jamais. On sait jamais. Allez, fais exploser les rochers. Please. Please. Il a pas envie. Ça, c'est le premier item actif. Hein. Ça nous fait des bombes, c'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. The poop is moving. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Hop. Allez, pas de salle secrète. Il y a peut-être une salle secrète, mais j'y crois pas. De toute façon, on a le truc actif. Hein. Hop, ça marche pas. Next, hein. Next. Ah, par contre, on a des batteries. Donc j'y pense, on a des batteries. Ah bah même c'est pas une machine comme je pensais ça. Bah, je pifferais bien ici moi. Hop. Ah. Salaud. Où est-ce qu'elle est cette foutue salle secrète? Là elle est pas, je viens de le faire. Là je viens de le faire, hein. Ouais. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? On va piffer ici, hein. Y'a rien. Bon, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je me suis paumé. Là je l'avais essayé en plus, hein. Ça, ici. Il semble avoir essayé ce truc là. Si c'est possible aussi qu'il y en ait une. Ah non, je l'ai testé en bas. Normalement c'est là la salle secrète. Pourquoi j'ai pas essayé plus tôt? Mais quel abruti. Oh yeah. J'aime pas du tout ça. Il faut du dips, hein. On n'arrivera pas à la fin de la run avec si peu de dégâts. On a beau être résistant, ça va pas le faire. Il faut absolument du dégât. Ok. Allez hop, on est parti pour le boss.
Isaac. Isaac. Puberty. Ok, bon, la machine a planté. On prend une batterie pour le boss. Et on est parti. Monstro. Ah, Monstro tue les mouches aussi. Apparemment il les aime pas. Je pensais que c'était seulement pour moi les dégâts. Pas de laser. Il tue ses propres mobs, hein, ça va. C'est pas compliqué tout ça. Surtout avec le stuff qu'on a. Ça a beau être long, on peut pas prendre de dégâts. Enfin, là j'ai pris un dégât, mais il est mental, hein. Je peux pas de vie. Faut juste faire gaffe à. Ouais. Ah, mais de nouveau cet item! Mais pourquoi il me donne tout le temps la même chose? Bon sang! Oh shit, quoi, je sais même pas ce que c'est. Level up. Ok. Oh oui! Oh oui, 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 je dis oui. Bon, est-ce que la queue de chat me met à 1 HP? Il me semble que la queue de chat le fait. J'ai une vie de plus ou un truc comme ça. Dans quelle ordre je le prends? Déjà, je veux tout prendre en fait. Mis à part celui du milieu, peut-être. Je veux le premier et le deuxième. Hein. J'aurai Brimstone. Enfin, le deuxième, premier et troisième. J'aurai Brimstone. J'aurai une vie de plus. Je sais plus ce qu'elle fait d'autre, le chat. Surtout que j'ai déjà eu l'autre chat. Du coup, j'ai deux items de Guppy. Et celui-là, c'est récupérer de la vie quand on prend les dégâts avec les bombes, je crois. Un truc comme ça. Faut prendre la queue en premier. Ouais, mais faut. Je sais que je vais la prendre la queue. Mais dans quel ordre? C'est ça le problème. Je pense que je vais commencer par la queue et comme ça, le. Ouais. Moins que ça me bouffe tous mes cœurs, là je vais être déçu. Du coup celui-là il me coûtera qu'un seul. Voilà. Donc là je suis Guppy, je vole. Et je vais me faire un plaisir, je vais prendre ça aussi. Ah je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas. C'est pas grave. Il change pas de prix. Il a pas envie de le mettre en cœur bleu. C'est pas grave. Par contre, maintenant on a le vol. Ah mais on est déjà passé l'étage. On a déjà passé l'étage, ça sert à rien. Je crois que ça sert à rien. La salle ressemblait fort à celle du bas mais on l'a déjà passé. Ah, ça on peut récupérer par contre, âme de magicienne. Non. Are you a wizard? J'en ai pas envie. Hop, ça encaisse. Pas de cure bleu. Non. On est enfin Guppy, en fait on avait 3 items, je savais même pas. Là y'a rien à récupérer. Là c'était une salle très ressemblante, mais il y avait beaucoup plus de trucs. Ça me semble clean. Hein. On va passer à l'étage suivant. Je vérifie juste cette salle là. Ok, y'a rien. Brochet marqué. Non. Ok, next. 32 minutes, waouh, je suis tellement lent. Ah oui, c'est vrai que j'ai Brimstone. Oh là 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 là, ça va être bon. Ça va être bon, ça va être tellement bon. Du coup je peux rentrer dans les salles gratos. Vraiment parfait cette histoire. Hop. Je l'ai plus là par contre l'Elemental. Pourquoi je l'ai plus?
Tout à l'heure, je récupérais chaque salle. Le poison, j'ai même pas besoin de tirer dessus, il tue tout. Il tue tout tout seul. En fait, c'est un bon item starter. Hein. Moi, j'étais vraiment persuadé que c'était un peu de la merde, mais c'est pas mal du tout. Hein. Ah, ça casse pas ça. Là, du coup, on va lancer ça par ici. Là. Toujours rien. Pour plus tard, si on a plus de clés. Ça en prend, on retourne dans la salle de gauche. On profite de la bombe gratteuse ici, on va la mettre plus ou moins ici. Ok, une carte. Je sais pas ce qu'elle fait. Hop. Ah, ça m'active le spell gratuitement, c'est bien ça. Hop. Parfait. On récupère la deuxième carte. Est-ce qu'on tente le Devil Deal direct? Tu fais des runs normales, t'essayes de speedrun un peu? Absolument pas, d'être le gros, je découvre le jeu, je connais pas du tout. Je sais même pas c'est quoi les items que je prends, etc. J'y connais absolument rien. Donc c'est impossible à speedrun. je découvre. J'ai acheté Binding of Isaac Afterbirth, j'ai acheté genre 5 minutes avant de lancer le live. Hein. Donc j'y connais absolument rien. Donc là c'est la salle du boss, Mom's Heart. Ah merde, je sais pas ce que ça fait ça. Hop. Rainbow tir. Ah, ça va me donner genre un effet spécial sur les rainbows, enfin sur les tirs, je pense. Il me reste deux clés, est-ce que je les piffe? On va d'abord aller voir le shop. Y'a pas de clé. Je me sens U. Ah oui, d'accord, à chaque salle en fait c'est un effet différent, non? Ah non, c'est pendant un certain temps. Donc là j'ai les... Ouais, d'accord. J'ai les tirs à tête chercheuse, etc. Non! Ouf, j'ai de la chance, il y avait une clé dedans. J'aurais dû viser un peu mieux. J'aurais pu avoir les trois. What? Ah mais c'est craqué. Ça peut me donner un truc de fou comme un truc de merde. Ah ouais, ok. Du coup, est-ce que je peux tirer directement là-dessus? Ah, je peux. Ok. On tente. Ah, c'est juste une bulle. Paralysé, ça va exploser. Faire gaffe à son laser qui tourne, je crois que c'est lui qui fait ça. Ah merde, j'ai les tirs qui reviennent vers moi. C'est pour ça que je faisais pas de dégâts, j'ai visé mal. Il reste encore un boss. Non, c'est bon. Ça, c'est quoi? Télépile. Ouais. Pas vraiment ce que je voulais. Ouh, j'ai failli ouvrir ça, il fallait pas. Tant mieux. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Salle de droite. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une salle secrète dans une petite salle? Ah merde. Bon. C'est une question de demande, je m'y connais un peu. Okidoki. Bah j'y connais absolument rien, donc je devrais te demander toutes les 30 secondes. Chaque fois que je prends un item, c'est... j'ai l'impression que c'est un nouvel item pour moi. Est-ce qu'on a tout fait? Ouais, il me manque juste la salle secrète. Elle est pas là. Ah, elle est pas non plus. Ah, quoique, non, elle est pas là.
contre ça on peut casser. Hein? Je me suis fait carotte. Oh salaud. Salaud. Je sais pas ce que c'est ça, ça doit être des pièces non? Ah non c'est des coffres, pas ouverts. Il me reste une clé, j'ai pas envie. Yoga Fire. Merci pour le follow Ingenious Soul. Je vais quand même le prendre, de toute façon il n'y a plus de... Oh, c'est quoi ça? Damage up. C'était rentable non? Je crois que c'était rentable. Plus de clé, étage suivant. Oh oui, il est faux directement. Ah mais oui, je vole, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Juste faire gaffe à pas se prendre le pied. Voilà ce que je viens de dire, fallait pas se prendre le pied, je viens de le prendre. Je me prends toujours les pieds et les mains de Mom, je comprends rien. Comment est-ce qu'on peut savoir où elle va arriver? C'est tellement rentable. Dark Boy, nice. Ça c'est HP up, mon rappel. Je prends de l'HP up, je vais prendre ça, et je vais activer le Devil Deal, non? Techniquement, je le fais maintenant. On est bien d'accord. J'ai pas eu de... Ah. Ah mais il est là le Devil Deal. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Je me prends un dégât d'entrée. Oh, je me prends un dégât dans le feu. Oh, je me prends un dégât de laser. Oh. On a le caillou. Je sais pas à quoi il sert. Ça a changé la couleur de mes tears. Ok. Donc là logiquement je piffe le démon. Le Devil Deal, non? Là je le piffe. J'ai le Joker, je le piffe. Ou bien j'attends la fin du stage. J'ai jamais vu un étage blanc comme ça. Je sais pas où je suis. Je sais pas du tout où je suis. Oh, il y avait encore un mob. Bon, c'est pas grave, j'ai le loot mental. C'est pété. J'ai pas de clé. On va tuer d'ici, hein, on va pas se prendre la tête. La grande prêtresse, il me semble que c'est le pied de Mom qui descend. Joli mental, je passe. Oh bah ils sont morts grâce au poison, nickel. Un cœur noir gratos, un coffre gratos. Avec des bombes malheureusement. On n'a pas de... On n'a pas de clé. Je le piffe hein, on est bien d'accord. Allez hop, je piffe. Alors... Voilà, c'est tellement craqué. Oh, c'est tellement craqué, j'adore. Alors à droite c'est Brimstone. Ou bien c'est le vol, je crois. À droite c'est le vol, dont j'ai pas besoin vu que j'ai Guppy, on est bien d'accord. T'es dans Utero 1. En tout il y en a 2. Et il n'y a pas Treasure Room, ok. Donc à droite c'est le vol, à gauche je sais pas ce que c'est. À droite ça ne sert à rien de toute façon, on est bien d'accord. Thème de gauche je sais pas ce qu'il fait du tout. Fear shot. Ouais. Dark Mador. Ah mais c'est le vol hein. On est bien d'accord, c'est le vol. Je vais pas prendre le vol si j'ai Guppy. Attends simplement une réponse pour voir si je prends la croix. De toute façon je peux pas la prendre, je suis con. J'ai pas assez de cœur. Quel abruti, quel abruti, quel abruti quoi. Oh là 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 là. Quel abruti. Oh putain c'est mon double, ok.
Là par contre j'ai masse dégâts. Je suis hyper bien pour la fin. Je suis mieux que tout à l'heure. Là il me faut une clé, j'ai toujours pas de clé. Je me sens mal. Jamais de thème actif, jamais de clé. Oh Cossit. Ok. Garth. Chariot. Chariot c'est effet Pac-Man. Là par exemple moi je vois pas la main descendre hein. Je suis désolé, moi je vois pas donc. Je sais pas comment vous faites, moi je vois rien du tout. Pour le pied oui. Là y'a rien, là y'a rien, là y'a rien. Ok, next. Non. Y'a quoi dans cette salle? Y'a rien du tout hein. Y'a pas de Roshi marqué quand même. Pourquoi quand je change de... Ah oui, quand je change de salle, ça change mes tirs, du coup ça change les dégâts. Ok. Là, on prie pour avoir une clé. On prie pour avoir une clé. Y'a pas de clé, allez. Alors, celui de droite, je crois que c'est Holy Bible. Ça donne un bouclier ou un truc comme ça. Celui de gauche. Alors là, j'en ai aucune idée. Ça peut être bien la Bible. Parce que j'ai Holy Mental, j'ai le masque pour absorber les dégâts qui viennent de face, enfin les projectiles de face. Plus encore un troisième shield, ça peut être bien, non? En même temps, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, je prends la Bible. Ah, je peux prendre les deux? Ah, bah ok, je prends les deux alors. C'est chic ça. Ah, c'est de la merde. C'est le truc qui donne. Tire mauve, non? C'est de la merde, c'est de la merde. Sous protection, ça c'est bien. Ça pour le boss, ça va être garanti. J'ai toujours pas de clé. Je suis assez gourmand en clé. J'ai une clé. Salle jaune, donc je peux les bourrer les clés. Je peux carrément les bourrer. Hop. Joker. Oh mais oui mon gars, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est ça qu'on veut. Que là c'est possible qu'il y ait un passage secret. Non. En bas non plus. Là oui. Là oui. C'est là. Il est là. Là c'est quoi? J'ai déjà fait. Next. Alors on va faire le boss avec le... la Bible. Droite donne cœur bleu. Putain, le droit de donner des cœurs bleus, sérieux? Salut Ingenius Soul. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Je découvre Binding of Isaac Afterbirth. C'est seulement mon deuxième run. Ouais. Je prends un peu de temps, je sais que je traîne. J'ai tellement pas l'habitude que... J'aime bien prendre mon temps. Oh putain, c'est quoi cette salle de merde? Sérieux là? Bon, je vais mettre le. Hop! Plié. Ah! Quoi? J'ai utilisé ma Bible, il n'y avait pas de bouclier autour de moi. Bon. Je sais pas. La Bible donne des cœurs bleus. Ah ouais? Attends. Ah, j'ai mal compris du coup. Il me semblait que la... celui qui donne des cœurs. Ah ouais, non, il y a une Bible qui donne des cœurs blancs. Ok, donc celui-là c'est le cœur bleu. Ok.
où c'est activé dès qu'on peut quoi. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Toujours des bombes, mais pas de clé. Oh. Le poison qui clean tout. Là on a besoin de pièces, c'est nickel. I can see forever, ça je peux utiliser pour avoir le secret room. Je le prends direct. Ça. Hein? Ah, je deviens plus petit. Bah, du coup, je peux l'activer une deuxième fois, je suis encore plus petit. Oh mon dieu, mais j'ai un bouclier. J'ai un bouclier de dingue autour de moi et je suis tout petit. Oh là là, mais c'est trop bien. Merci. Là, ça, il peut me donner un HP up, hein, il me semble. Bag of je sais plus trop quoi, ah, j'aurais dû l'activer avant en fait. Et ça je peux aussi le casser, de toute façon j'ai plein de bombes. Hop. Phéromone je m'en fous. Joker par contre je vais utiliser direct. Je pense que je vais utiliser direct. Ouais. Ah ouais mais du coup je passe l'étage. J'ai déconné là. J'aurais dû l'activer à l'étage suivant. Là je passe l'étage. Sim, je voulais dire. Je sais pas si t'as une demande pour la partie. J'ai pas les notifications, Engine Soul. Je les ai pas. Désolé. Tu sais, quand tu es infiniment petit. Alors, est-ce que je passe l'étage ou pas? Je sais même pas ce que j'ai fait du stage. Je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. C'est parti. De toute façon, j'ai trop de trucs pour survivre là. Si je meurs, il y a vraiment un problème. Pas envie. Oh là là, mais je l'ai OS, je l'ai complètement OS. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc là, si je l'active, tu m'as dit j'ai des. Ok, j'ai un cœur bleu, ouais. Nickel. Tellement affreux. Bon allez, on va piffer une... Ça c'est Cricket 7, non? Ça c'est Cricket 7, ça augmente les dégâts. Ça je m'en rappelle. C'est pété. Oh là 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 là, les DPS, les DPS. C'est bon, c'est trop, on l'a fini. J'ai l'impression que en plus les dégâts que j'ai, ils scale avec le poison que j'ai eu comme premier item du jeu. Là j'ai toujours le Holy Mantle, hein, on est bien d'accord. Je passe, je perds pas de vie. J'ai l'impression que ça scale parce que ça tue les mobs dans la salle de plus en plus vite. Ok, j'ai bien fait. Je récupère de nouveau une clé. Ah mais merde, je prends les dégâts, c'est vrai. J'aurais pas dû prendre les dégâts de la bombe. C'est quoi, c'est... Ah bah voilà, je peux être encore plus petit. allez hop, le pif. Non. Putain, c'est horrible, ces mobs ils sont horribles, mais c'est... Comment ils ont pu inventer des mobs pareils? Oh là là. C'est horrible. Putain.
Kirby plus. Tu les mobs invisibles en premier. Ils sont vraiment affreux ces mobs. C'est vrai que je me sers quasiment pas du Brimstone. Je vois pas encore vraiment l'utilité. Vu les dégâts que j'ai, ça va quand même assez vite. Vortex en premier. The Sun. Ça me rend toute ma vie, il me semble. Ça dévoile la carte ou un truc comme ça. True of Club. Club, c'est. Club, c'est bombe. Ouais. Ça va trop vite. Allez, une clé. Oh yeah baby. Bon là il y a une salle secrète, me dis pas le contraire, il y a 4 salles autour. Fuck this shit. Si. Ah c'est la salle du boss ça. Si j'y vais c'est fini. Je prends ce... Ah non c'est Sheol après. Non je suis déjà Sheol. Vu que j'ai activé la Joker carte pour venir ici. J'ai deux clés, je peux activer ça. Y'a rien dedans. On va essayer de faire une salle de plus pour avoir les 10 coeurs, enfin les 12 coeurs. Ah c'est bon pas ça. Ça par contre je peux activer. C'est tout. J'ai pas envie de me faire exploser la gueule. J'ai pas envie de risquer. Hop. Donc il nous manque toujours une salle. Celle-là ne comptait pas vu qu'il n'y avait pas de mob dedans. Non c'est là. J'ai pris un dégât. Fait qu'il me tire qui revienne vers moi. Ok. Hop, on a les 12 coeurs. Hop. C'est quoi ça? De toute façon, y'a plus de magasin, non? Peut-être salle de gauche? Mais si, y'a moyen qu'il y ait une salle secrète. Là. 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 Non. Hanged Man, ça j'en ai pas besoin. Je vole déjà. Désolé si je lis pas le chat assez souvent. De Sun, ça fait des dégâts en toute la salle. Ah bon? Là t'es pas haute, c'est dommage que t'as pas débloqué les vraies fins. Je sais même pas comment on les débloque. Mais j'ai l'impression que je suis quand même... je suis bien dans ma run là. Ok. Bah du coup c'est le temps, c'est le moment d'aller tuer le boss hein. Ça va être gratuit. Pas comme tout à l'heure. Donc de Sun ça fait des dégâts tu m'as dit. J'avais pas Joker en main il y a 2 secondes. Je perds la tête, je perds la tête. J'ai déjà activé Joker il me semble. Ouais j'ai activé Joker pour pouvoir sauter un étage. Allez. Logiquement, si je reste comme ça, c'est bon. Hein. J'ai mon masque. Ah, mais non, il y a les... la phase avec les gros sabots. Là, si j'active The Sun, ça fait les dégâts. Ouais. C'est tout? C'est fini? Bon, bah, c'est fini. C'est la fin Eve il me semble, un truc comme ça. Non c'est pas Eve, c'est moi ça s'appelle ce perso encore. Ceux qui peut commencer avec des stats complètement aléatoires.
fini le jeu. Bomb bag.